corriger les exercices de la page 79. D'abord, on va faire un rappel. Alors, les enfants, quelle est la leçon qu'on a fait hier? Hier, on a fait leçon peur et leçon feu. Donnez-moi des mots avec le son peur. Oui. Prise. Prise. Prime vert. Prime vert. Ces mots contiennent le son peur. Contient le son peur. Maintenant, donnez-moi des mots avec le son feu. Par exemple, quoi? Friture. Fromage. Alors tous ces mots contiennent le son feu. Le son feu. Maintenant, on va corriger les exercices. Premier exercice. Qu'est-ce qu'on a? Coche quand tu entends le son pour ou le son feu. La première image, c'est fraise. Qu'est-ce que c'est? Fraise. Alors, ici, qu'est-ce qu'on entend? Très bien, ici on entend le son feu. Le son feu, c'est-à-dire ici on va cocher. Deuxième image, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre 13. Le chiffre 13. Ici, on entend le son peur? Non. On entend le son feu? Non. C'est-à-dire, on ne va pas cocher ici. Troisième image, qu'est-ce que c'est? Prune. Prune. Ici, on entend le son peur. C'est-à-dire, on va cocher. Quatrième image, c'est la lune. La lune. Ici, on n'entend rien. On n'entend ni le son peur, ni le son fort. C'est-à-dire, on ne va pas cocher. Allez, les enfants. On va passer à la deuxième exercice. L'exercice 2. Lis les mots autour. Les mots où tu vois peur et souligne les mots où tu vois feu. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on voit des mots avec le son peur, on va entourer ces mots comme ça. Tout le monde. Si on voit des mots avec le son feu, on va souligner. Premier mot, la friture. Deuxième mot, une prise. Troisième mot, fraîche. Quatrième mot, le printemps. Le printemps.
Le crayon. Frapper. Froide. Premièrement, la friture. Qu'est-ce qu'on dit? Ce mot contient quoi? Contient le son feu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va souligner. On va souligner ce mot parce que ce mot contient le son feu. Une prise. Ici, on a le son feu. C'est-à-dire, on va entourer ce mot. Fraîche. Ce mot contient le son feu. C'est-à-dire, on va souligner ce mot. Le printemps. Ce mot contient le son peur, c'est-à-dire on va entourer ce mot. Le crayon, ce mot contient le son peur, c'est-à-dire on va aussi entourer ce mot. Frapper, c'est-à-dire on va souligner ce mot. Froide. Ce mot contient le son feu. On va souligner ce mot. Allez-y les enfants, corrige. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, lis les phrases. Dina aime les primevères. Dina aime les primevères. Cette phrase contient le son peur. Les enfants sont propres. Cette phrase aussi contient le son peur. Mamie adore les fraises. Cette phrase contient le son fort. C'est-à-dire que toutes ces phrases contiennent le son peur et le son fort. Maintenant, l'exercice 4. Lis les mots, les phrases, pardon, avec sur, sous et dans. Première phrase, la prime est sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire sur? Sur. Par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est la chaise. C'est la chaise. Et qu'est-ce que c'est? C'est la règle. C'est la règle. Où se trouve la règle maintenant? La règle est sur la chaise. La règle est sur la chaise. Regardez ici la deuxième phrase. Le chat passe sous le banc. Sous. Maintenant, sous. Qu'est-ce que c'est? C'est la craie. C'est la craie. Où se trouve la craie maintenant? La craie est sous la chaise. La craie est sous la chaise. La craie est sous la chaise. Troisième phrase. Dina joue dans la cour. Dina joue dans la cour. Par exemple, c'est une boîte. Qu'est-ce que c'est une boîte? Où se trouve la craie? La craie est dans la boîte. La craie est dans la boîte. L'exercice 5 maintenant. Choisis la bonne étiquette, colorie-la. On va écrire la première phrase.
phrase. Le chat. Passe. Dans. Sous. Le bon. La phrase B maintenant. Les enfants joue sous dans le jardin. Alors, le chat passe dans sous le banc. Qu'est-ce qu'on dit? Le chat passe dans le banc ou le chat passe sous le banc? On dit le chat passe sous le banc, c'est-à-dire on va colorier cette étiquette. La phrase B maintenant. Les enfants jouent sous dans le jardin. Est-ce qu'on dit les enfants jouent sous le jardin? Non, on dit les enfants jouent dans le jardin, c'est-à-dire on va colorier cette étiquette.